Bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 29e épisode du Let's Play sur Blue Dragon. Dans l'épisode précédent, on a quitté l'ancienne usine des machines. Ensuite, à la sortie, on s'est fait attaquer par une armée de robots contrôlés par Néné. On a compris que Néné, c'était le maître des robots. Et maintenant, on est enfermé dans une prison où un des robots nous a libéré, un de ceux qu'on avait vu au village de Baroy. Et là il faut qu'on retrouve nos alliés. Je pense que Zola va faire la tête parce qu'on n'a pas écouté son ordre. Avec les attaques. C'est pas très important de prendre des dommages pour le peu que je prends pour le moment. Plume ancienne. Rien. Tu m'étonnes avec le rat qui doit aller aux toilettes, ça va pas sentir très bien. Détecté, début de l'élimination immédiate. Ok. Par contre, je suis tout seul. Ah. Ah d'accord, j'ai la puanteur dans la toilette. La clé est juste ce qu'il nous fallait. Objet. Alliés. Thank you.
qu'est-ce que c'est? Quoi de neuf avec celle-là? Alors, l'agencement est bizarre. Ok, donc je pense qu'il va peut-être falloir que je trouve d'autres lampes. Je pense que le robot sentinelle fera plus mal. J'avais plus résistant. J'hésite soit à aller vers le bas, soit à aller vers la grande porte. Je pense qu'à la grande porte, il faut autre chose pour l'activer. On va le taper quand même, on va pas le laisser tout seul. C'est dommage que l'épée au plus ça tape pas plusieurs adversaires. On est là, ce sera pas mal.
bien, les gentils me soignent. Pourtant, il semblait que j'étais prioritaire pour l'attaquer, mais... Pourtant, regardez, je suis premier là sur la liste. C'est bizarre. Maro Maro, hé, hey, comment ça va? Maro Maro, Maro à toi depuis un moment. Ça c'est cool. Ah. Mince. Mince, mince, mince. Leurs attaques, elles sont très lentes. On peut attaquer Maro Maro un petit peu. Allez, un petit compte. Ouh. Allez, Maro Maro encore. Non. Allez, attaque Maro Maro s'il te plaît. J'espère que vous n'entendrez pas le bruit du scooter. Allez. Merci. Ok, y a rien. Et donc, où vont être Clouqueux et Clouqueux et Giro? Allez, le petit contre qui va faire plaisir. Et le petit contre qui va encore faire plaisir. L'agencement est bizarre. J'ai oublié d'ouvrir la cellule de mon côté. D'ailleurs, je suis pas retourné battre le fantôme émeraude. Ok. J'avais oublié d'ouvrir à Giro et puis Clouqueux doit être juste derrière. Aucune nouvelle de Clouqueux? Ils l'ont probablement mis ailleurs. Inutile de rester là, allons-y. Déjà on va activer le téléporteur.
les sauvegarder. Ensuite, on va aller faire le petit fantôme émeraude pour voir. Passé devant Giro et je lui ai pas ouvert la porte et j'ai raté le téléporteur. Je suis vraiment myope. Voilà, il y a tout d'activé. On va essayer encore une fois, sinon on essaiera d'avancer. Donc sinon faut que j'arrive à l'attaquer par derrière. Donc on va pas le forcer hein. Quelle est la règle qui se cache derrière l'agencement de ces lampes? Oui, je vois, elles sont agencées comme des cellules de prison. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un rapport entre les lampes et les cellules de prison. Intéressant. Oui, intéressant. Les lampes de la rangée du milieu sont une couleur différente. Ça veut dire quelque chose. La rangée du milieu est... La rangée du milieu, hein? C'est bizarre parce que la rangée du milieu était d'une autre couleur. Laisser ouvert là où il y avait nos cellules pour voir, enfin, là où on était enfermé. J'avais peut-être oublié une. Ça a peut-être un truc, c'est peut-être lié à, aux cellules où les personnages étaient enfermés. Il n'y avait rien. Là, je sais plus laquelle des deux. C'était peut-être plutôt celle de derrière. Ok. Il y en a les deux, il y avait Zola et puis Maro Maro dans ce... plutôt mettre celle-là et celle-là. Là, il y en a deux en bas. Ok, je pense qu'il faut que je referme. Là, les deux points rouges, ce seraient les cellules tout en bas à droite.
tirer un point bleu qui serait la cellule là. Là, si on regarde la minimap, en fait, ce serait les différents points des cellules. Donc il resterait la cellule où j'étais au départ avec, avec Chou, qui resterait active. Une petite sauvegarde comme ça, si c'est ça, ça nous évitera de tout refaire si jamais j'ai un souci. Et donc on referme. Formidable, on va maintenant ouvrir la grande porte. Où est Clouque? Ils m'ont surpris. Oh les Mégazords! Megazord, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les robots dans les Power Rangers qui fusionnent pour devenir le très grand robot, etc. Il y a deux chemins, gauche ou droite? Gauche ou droite? Allez, à gauche. On va revenir en arrière, on va aller voir à droite. Ça a l'air d'emmener au même chemin. Robot sentinelle tête. J'aurais peut-être du coup tenté un coup. C'est vachement excitant, lui, hein. On pourrait attaquer. C'était à gauche qu'il fallait prendre. Hop, on va pas s'embêter avec ça. Une esquive. Bon bah j'ai raté l'attaque. Allez, comme ça lui, petit critique, il rigole pas.
Ah oui, comme ça lui. Il rigole pas. Bien joué, Marron. J'aime bien quand tu casses les robots comme ça. Un petit soin plus, quelque chose comme ça. Maître Chou, c'est moi, Yasato. Yasato, qu'est-ce que tu fais là? Yasato, tu peux pas la boucler deux secondes? Yasato, Chou nous a dit ce que tu avais fait. Merci. J'ai une dette envers toi. Inutile de me remercier. Oh, oh, Maître Néné va bientôt revenir. Néné ? Pardonnez-moi, les quatre autres se sont enfuis. Quoi ? Oh, super ! Je vais les distraire pour vous faire gagner du temps. Allez sauver maîtresse Clouquet, vite ! Yasato ! Maître ? Qui es-tu ? Ici 61. Que veux-tu ? À propos de ces humains, tu les as aidés à s'enfuir. Ils se sont enfuis tout seuls, grâce à la magie. Donc, tu les as vus s'enfuir? Pas exactement. D'après les barreaux, je dirais que... Ne l'écoutez pas, maître. 61 était très amical avec ces gens. Vérifiez sa puce mémoire. Et vous verrez qu'il ment. Alors c'est tout ce qu'une machine est capable de faire? C'est tout? Bon à rien. Bon à rien. Bon, jetons un coup d'œil à ta puce mémoire. Oh, maître. Attendez. Chou. Allons-y, Maro Maro. Compris. Venez, Dame Zola. Néné, finissons-en, là, maintenant. Oh bah, y a un petit point de sauvegarde. Ça sent le gros combat, donc on va le faire. Intelligent. Je crois que j'ai tapé tout à l'heure avec le mince, c'est là. Ouais, ça va être un peu.
peux pas attaquer Marumaro à chaque fois. Petite vengeance. D'à côté, à moins que le fauchage ça devrait le tuer, ce qui est mieux. Voilà, allez, prends toi un petit contre. Chose. Ah, si, quand même 117, j'étais mauvaise langue. Oh, il va bien jouer. J'ai gagné un peu de temps. Clouquet, on pourra jamais s'approcher assez de Néné. Il y en a trop. Clouquet, réveille-toi. Clouquet. C'est vachement long à... Ah, je peux pas le faire. Bon, bah tant pis. Allez, un petit contre. Et laissez Giro tranquille. Ça va être un petit peu mieux. Pas encore tout à fait ça, mais un petit peu mieux. C'est cool, ils tapent tous Marumaro.
T'aurais pu faire un petit effort, hein, Jiro. J'aurais dû repasser de l'autre côté. Pour l'instant, je vais commencer à faire lui. Plaisir. Par contre, ça rappelle un peu la phase en vaisseau quand Nene essayait de s'échapper, donc ce serait un CD très court si c'est le cas, si c'est la fin du CD. Et dans ce cas, ça voudrait dire que l'épisode va être très long. On t'a enfin arrêté! Chou, allons chercher Clouquet! Ok! Sale vermisseau! Néné! Il se sert de Clouquet comme bouclier! Oh.
Apparemment, je peux sauvegarder. On va regarder pour voir. Ok, donc bah les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode parce que je pense qu'il aurait été assez long. J'espère que ça vous aura plu. Dans le prochain épisode, on partira à la rescousse de Clouqueux. Et donc voilà, d'ici là, portez-vous bien. À bientôt, ciao.